Amis viewers, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de nos aventures sur RimWorld. Petit rappel des faits, nous avons été attaqués par des mécanoïdes. Nous avons déboîté et démonté les mécanoïdes. Et ces petites bêtes nous ont filé 50 unités de plastacier. Enfin filé. On les a dépecés, il y avait 50 plastaciers dedans quoi. Hein. Au KLM, tout ça. Donc c'est cool, c'est plutôt cool. Ah, il a fini les portes impériales. Alors attends, pause. Je sais pas ce que c'est. Teach Imperial Subject. Donc ça apprend aux sujets impériaux, donc moi, comment créer un pattern, un schéma de fourniture impériale. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais par contre, maintenant, on peut faire des portes impériales, normalement. Pour toute... Ah. Imperium d'or. Cet emplacement est déjà occupé, évidemment. Je suis pas trop... Ouais, je sais pas trop ce que ça va nous apporter de faire ça. Mais allons-y. Des portes impériales, je ne sais pas. C'est juste pour le look, hein, j'imagine. On va les faire en porte automatique, histoire de se la péter un peu. Voilà. Commerçant. Alors, Lolo, c'est plus sociable. Allez, dis-moi que t'as de l'or. Dis-moi que t'as de l'or. Putain, mais dis-moi que t'as de l'or, enfoiré. Y'a pas d'or. Bon, y'a pas d'or. Par contre, tac, on va en profiter pour... Putain la vache, de lèvres en métal médiocre, 20$. Ouais. Lance en bois, putain. Rasoir en adamantium, 80$. De lèvres en céramite. Oh, peut-être le garder, lui, là. Couteau en plastacier, d'accord. Fusil à pompe, ok. Vas-y, dégage. Cocktail molotov, je m'en sers pas. Manteau en diabétof, ça se vend cher, putain. Casque en kevlar. Okay. Bah, il n'y a pas d'or, par contre. Ça fait chier. Où est-ce qu'il est, mon argent? Argent! Vas-y, il est où le pognon? Ok. J'ai mon chien qui est en train de... Un peu calme. SSK, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, alors là, on est en train de faire nos portes automatiques de l'Imperium. On peut voir un petit peu. D'accord. Ouais, c'est beau, il y a l'aigle impérial. C'est beau, mais je pense que c'est tout. Quoi. Ça doit rien faire de plus. Mais c'est déjà bien. Pas de problème. Ok, bah écoute, la recherche elle est partie, ça il faut toujours de l'or, de maison du café bien sûr. Bien sûr, c'est important. Voilà, production. Ouais, y'a rien de nouveau. Drug lab, je l'ai déjà. La caravane de machin s'en va, c'est normal, tout va bien. Pas mal de place dans mon stock, c'est cool. Laine de Buffalo, putain. C'est quoi ça? Des croquettes, hein. Et c'est tout ce qu'on a comme croquettes? Il y a 12 croquettes pour 3 millions d'animaux. C'est chaud quand même, hein. Regarde, ils préfèrent jouer à ça plutôt que d'utiliser la télé, c'est bizarre. C'est bizarre. À mon avis, il y a une couille avec la télé.
Ouais, mais Youver, si tu sais pourquoi le... Non mais arrêtez, bouffon Maïs, là. Non mais s'il vous plaît, là, un peu de sérieux, quand même. Oh là, ce cimetière. Qu'est-ce qu'ils construisent, là? Ah non, c'est James qui mine. Avec une carte. Pourquoi tu cuisines pas, gros? Est-ce qu'il y a plus de viande? Il y a déjà plus de viande. Est-ce que je peux pas... Alors attends. Ouais, pourtant il fait... Ouais, quoi que. Quand il y a de la viande, je suis sûr qu'il fait... qu'il utilise de la viande. On enlève la viande crue. Requière, aliment cru. Je pense qu'on peut faire des colons végétariens. À mon avis, ça pose pas de problème. C'est quoi ça, de la céramite? C'est le câble. Ça va être bien pour après, la céramite. Hein. Même là, là, à la limite, je pourrais refaire mes murs en céramite, mais... j'ai jamais eu de problème. Ils ont jamais réussi à péter un mur, quoi. Donc, bon. Je vais pas trop me prendre la tête pour l'instant. Voilà, et le cadre met les croquettes en route. Toujours personne devant la télé, hein, c'est tout à fait normal. Est-ce que j'ai de la diabétoff en quantité? 98. Ouais. Là, ils commencent à faire des trucs, ils les finissent pas, ça me gave. Une éclipse, ok. Bon, cette journée s'est bien passée. Un groupe d'alpacas abandonnés ou perdus, ils rejoignent la colonie. Devant vous. Alors, restriction. Non. Animaux. Ils sont où les alpagas? Alpaca. Hop. C'est bien ça. C'est bien. Ça fait de la laine. Donc, par contre, c'est encore des bouches à nourrir. Ça, malheureusement. Voilà. Ce serait bien qu'il y ait plus de... Il y a peut-être un autre moyen de nourrir les animaux. Oh. Ça ne semble pas être une très bonne nouvelle en fait. Ils aiment bien me faire peur, ces cons-là. Elle est pétée, ma toile, là. Ah, merde. SSK à 43 ans. Une maladie liée à l'âge lui est apparue à l'imago. Bienvenue au club, gros. Aldo, ça pardonne pas. Bon, on a de la viande. On a toujours pas d'or, mais on a de la viande. SSK qui pète un plomb, évidemment. Fait chier, SSK. Alors, stop. Anniversaire, on s'en fout, clips, on s'en fout. Par contre, ça m'intéresse. Alors, Lolo. Elle est où la console de communication? Elle est là. Où j'appelle les... le vaisseau, hein. Normalement, c'est comme ça que ça marche.
Ok. Vous ne pouvez vendre que les objets placés dans la zone de stockage. Ouais, ça c'est bon. Il y a de l'acier, du jade, il n'y a pas d'or. Il y a du plastacier, bande d'enfoirés de merde. L'eau! Putain, il y a de l'or. Wouhou! Oh putain. Alors, qu'est-ce que je peux leur vendre? Tout ça, je garde. Femelle, mâle. Et Chester, j'ai un mâle. Un mâle, ça suffit. Hein. Ils ont de la thune? Ouais, ils ont de la thune. Je pourrais acheter des dindes. Des chiens. Ouais. De la viande, on s'en fout. Ration de survie, on s'en fout. Des composants. Je les prends. Médicaments. Ah, c'est cher. C'est cher, mais ça va me permettre de faire mon lit médical. Ah, le plastacier, je devrais peut-être le prendre. Je vais peut-être le regretter. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, le lit médical déjà. Ok, là les gars, on va entrer dans une nouvelle ère. Oui. Vas-y, finis-le. Allez, on va les laisser dormir, on va pas nous les stresser. Pas de stress, il y a point S. Ah, cette délivrance, les amis. Oh putain. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un lit médical alors? Que dalle. Bon, d'accord. Oh là là, regardez. Basique impérial construction. Arme multicanon. C'est quoi ça? On peut forer le sol? Hyper sommeil, ouais, deep drilling. D'accord. Donc on va pouvoir creuser le sol pour trouver des ressources. Le mortier, on s'en fout. Moniteur des signes vitaux, ouais, on le mettra plus tard. Ouh putain! Armure énergétique, la robotique neurominienne et les technologies de tissage de plastique nous permettent de fabriquer des armures et des casques énergétiques. Le problème, c'est voilà, c'est du plastacier. Tir chargé. On va pouvoir faire des fusils à charge. Oh là là, que de... Fou lolo, fou youyouille. Lui, il a un niveau divin en recherche. J'ai envie de te dire, c'est un peu normal. Ok, alors attends. 295, ça c'est bon. Et des croquettes, c'est des croquettes ça? 558, on est bien aussi, franchement. Nickel, tranquille. Je vais arrêter de creuser comme un con. Parce que si je peux vraiment aller creuser dans le sol pour trouver des ressources, ça sert à rien de m'exposer plus que ça. Je peux pas me prendre la tête. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant que toutes ces recherches se fassent? Je sais pas. Oh, Gomes regarde la télé. C'est bon ça. Voir un peu tes besoins. Intérieur spacieux, extrêmement confortable, des tonnes de joueurs. Tout va bien.
tout va bien, l'énergie est bonne. Faudrait que je refasse des batteries. Hein. On m'a conseillé de faire plus de batteries. Donc on va faire des batteries, ça nous passera 5 minutes. Ok. Un petit câble pour relier tout ça. Par contre, si j'ai une batterie qui pète, je crois que je suis dans la merde. Faudrait qu'on fasse des fringues aussi, mais les mecs ont pas envie de. Ont pas envie quoi. Travail. Alors, SSK. Tu vas passer en 3 là-dessus et en 1 là-dessus. Comme ça, tu vas retourner me faire des fringues. Ce serait cool. Pff, ouais, je sais pas. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Go! Une jump tute, c'est une combinaison de sauts. Tu vas où? Génial! En plus, ça a l'air de prendre... Donc apparemment, ça prend... Tiens, il s'est fait buter par... ça a l'air de prendre les jambes. Tu vois, il a enlevé ses deux vêtements là. Ça a l'air de prendre les jambes et le pantalon, ce qui fait que c'est génial. Avec un seul vêtement, c'est la fête quoi. Super. C'est super. Allez, saquez-vous, bande de feignants. Allez, James, au boulot, tout de suite, direct. Lolo, qu'est-ce que tu nous emmerdes, Lolo? Tu vas pas le finir encore. Merde, il a fini son travail. Pourquoi vous mettez pas... Alors, attends, il y a un truc, c'est assignation, je crois. Pourquoi c'est ça s'est mis en croix? Drone psychique, ça c'est la merde. Ah, pourquoi ils veulent pas s'équiper? C'est Lolo qui en a une. Hein. Enfin, Laurent. Je vais les forcer à le faire parce que, à mon avis, c'est vraiment bien quoi. Je sais pas pourquoi ils le mettent pas. Ah merde, il en avait déjà équipé une lui. Pourquoi tu dis que ton matériel est pourri? Ah, je comprends pas. Je sais pas, ça me paraissait pété moi comme truc, la jump suite. Ah, ceci dit, voilà, il a des bons trucs. Hein. Il a des bons trucs. De base, il avait des bonnes fringues, donc... attends. 85%, tout ça, tatéra d'appareil.
Et une carde. C'est le casque en Kevlar qui l'emmerde, c'est ça? Je comprends pas trop. Je comprends pas trop. C'est pas très grave. Bon, c'est cool, on a un nouveau truc. Alors par contre, est-ce que j'aurais pas de nouveau truc ici, par exemple? J'ai deux ateliers de tissage, moi qui j'ai encore fait comme connerie. Ah, je devais faire un électrique et je l'ai pas fait. Je cherche pas. Ah ouais, alors ça c'est très con. J'ai une porte automatique en panne. Je crois que j'ai encore été bien inspiré avec ma connerie de porte automatique, quoi. Letka, c'est bon, t'as fini de faire la fête, tu veux bien retourner à tes recherches, s'il te plaît? Boulet. Enfin, 6 000, c'est déjà long. Hein. Celle-là, c'est 21 000. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Ouais, je vais faire ça après, je pense. Ah, putain, il y a tellement de trucs à rechercher, c'est compliqué. Commerçant de la menthe religieuse. Ouais, j'ai plus trop grand chose à commercer avec vous, en fait. J'ai plus besoin de vous, les mecs. Alors, non, tout ça, je ne vends pas. Ça, je les vends pas pour l'instant, ils vont faire des petits. Bah, y a 3 femelles, bien sûr qu'ils vont te faire des petits, gros. Des œufs de cobra. Ah, des œufs de cobra fécondés. C'est marrant, ça. C'est marrant. Du cuir, du cuir, du cuir. D'accord. Luciférium. C'est quoi qu'il me fallait? L'ignium? Je sais plus. Ah, ouais, ça se vend pas cher du tout, ça, dis donc. Ouais, en fait ma jump suite elle est beaucoup moins bien que les vêtements que je leur avais fait au début, quoi. Sa compétence sociale n'augmente pas, bien qu'il fasse du commerce régulièrement. Bon, donc celui-là on peut le dégager alors. Ah non, c'est un truc de tissage électrique. Et pourquoi ils viennent travailler sur celui-là? Bah parce que tu leur dis tout le temps de travailler sur celui-là, gros. Simplement. Ah, bordel de merde. Oh là là. Ok. Alors. Hey les gars! Ici. Lolo. Là. Jizou. Ici. Bums, ici. Hop, cassez-vous de là, bande de cons. Voilà. Et c'était qui l'autre? Gisèle, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Putain, c'était pas prévu du tout, ça. En fait, les commerçants étaient là et ils ont pris des balles perdues, quoi. Je crois que j'ai fait les conneries. Oh, oui. Ouais, t'as fait les conneries, oui, Krog. Oh, ouais.
Bah, je suis dans la merde. Lolo, est-ce que tu peux... c'était eux, je crois. Combo de la montre religieuse. On va les appeler tout de suite, essayer de leur filer du pognon. Ah, il est pas content. Moins 91. D'accord. Bon. Bon, 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 bon. Merde. Oh putain. Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Pourquoi il n'y a plus d'électricité là? Ah! Sergei Bisley vous appelle. Bien sûr, je vais le secourir à long. Bon alors. Là qu'il n'y a plus d'électricité dans mon. Pourquoi il n'y a plus d'électricité? Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un câble qui a été coupé quelque part ou c'est quoi l'idée là? Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait plus de jus ici. Oh là 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 là. Non mais vous êtes sérieux. Mais j'ai plus de tourelle, je fais comment? Putain, le fil n'est pas coupé, vous foutez de ma gueule là. Ah, ça va jusque là-haut. Les batteries sont pleines. Oh, il y a une éruption solaire. Oh putain. Bon. Ah, je sais, t'es blessé, mais faut que tu y ailles. Hein. Oh my god. Oh, y a un cocu avec un bouclier électrique. Énergétique. Bouclier électrique. Sérieux. Défense d'éléphant, c'est mignon. Ah ouais, c'est bien gentil l'électricité, hein, mais quand ça tombe en panne... Ah bah tiens, James en a une d'arme au corps à corps. Mais casse-toi! Tu fais quoi, Lolo? Mais Lolo, casse-toi de là, putain! C'est de la folie, ça! Oh là 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 là. Allez, t'as pris une boulette dans ta gueule, toi, rentre chez ta mère. Oh, le lance-patate. Génial. Bon, ça s'est super bien passé. On démobilise tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Un fusil à charge. Une carte, un petit fusil à charge, si tu veux. Ouais. Ça te permettra de tuer plein de gens. Regarde. Besoin. A vu la mort, plus 13, a tué quelqu'un, plus 13. Bon, j'ai envie de te dire, le mec il est content quoi. C'est tellement chaud ce jeu. Amis viewers, je te laisse là pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Je te fais des gros bisous.